Je vais raconter si un jeune qui, sans doute à l'époque, aimait se mettre beaucoup en face de l'eau sans pierre d'âge. Elle aimait même puis utilise sa bonne santé là pour de bonne propagande. Il y a une différence entre conscientiser du monde de santé et service santé engagé pour propagande. Moi, j'ai un peu honte quand on passe loin qu'un meeting à MMM, moi, j'ai une santé subventinienne, soldat à la lutte militaire. Moi, j'ai un bon Dieu de bon Dieu. OK? Rends-moi un service, j'ai un tas militant qui meurt, qui met en prison. Il y a une trentaine de mecs en prison en 72. Il y a une bonne charité, l'obo l'église. Il y a une suicide zone. Hein? Et là, une mot d'Adélaïde, une mot d'une situation atroce. Quand tu rappelles tout ça là, il y a un rappel de ton corps soldat de la lutte militant. Il y a un service, je dis un militant, entre guillemets, de l'époque. Il l'a pour lever la tête dans ce pays là et faire comprendre, pas venir salir sa terre militant là. Le militantisme. Pas une salle, ça. Moi, je suis outré. Quand je me dis aujourd'hui, je vais me dire militant. Je vais me dire et ah bon, qui t'en fait? Qui t'en position de classe? Qui t'en conscience politique? Pena, les militants, il n'a qu'à pas un mot, alors que l'opposé de ce mot-là.